Alors merci à la population, merci à la famille MRC. Nous avons un militant qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce que sa femme a accouché hier soir d'un garçon. Il s'appelle Kamka Boniface. Il est à Bois-Liban. Il s'appelle Kamka Boniface. Est-ce que c'est Kamto? On parle de Kamto, mon ami. Famille, surtout la bienvenue au bébé. Et ben c'est parti. Voilà, c'est parti. Le direct sur notre page ensemble. C'est Kamto. Voton Maurice Kamto. Nous sommes là, hein, juste pour vous dire que tout à l'heure, quand le président Maurice Kamto, le président élu, son excellence Maurice Kamto, va arriver ici à Bonaventure. Vous serez en direct ici, donc nous sommes dans un direct préliminaire et il y a notre ami Esama qui est déjà là et qui commence à chauffer le public parce que le professeur Maurice Kamto il y a quelques minutes de Bonaventure. Monsieur Esama est là. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas et qu'est-ce que ça va rapporter comme bien? Oui, plusieurs réunions en Allemagne hier. Hein. Oui, Maya Foni, qu'est-ce qui va se passer? C'était la conférence européenne. De la base de la brigade anti-sardinade. Là, c'était pour prendre certaines résolutions pour la suite du combat. Merci. Oui, bonjour. La suite du combat. Donc, certainement, nous allons avoir des Camerounais qui vont quitter l'Europe là-bas pour ici. Oui. Pour renforcer l'équipe du MRC. Parce que le MRC, oui, voilà. Non, n'oublions pas qu'il y a eu également une assemblée générale du MRC Berlin hier soir après la réunion de la base. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? La base. Est-ce qu'on peut faire le bruit? La base. Parce qu'ils sont en train de nous regarder à partir du dernier. Voilà. La c'est base. Combien de personnes? La base, c'est résistant. On est à 100 personnes. 100 personnes qui regardent. Ensemble, Maurice Kamto, en 5 minutes. Voilà. Comme précision, Isama, la base, c'est une organisation de résistants camerounais qui ne sont pas le MRC. Le MRC, c'est un parti politique républicain qui a gagné les élections et qui demande à M. Paul Biya de reconnaître ça et de libérer Ekiti parce que le président élu, c'est le président aussi. C'était une très grande journée, on a eu l'assemblée générale du MRC Berlin, une centaine de militants du MRC qui se sont réunis pour préparer et je vais dire disposer leur feuille de route pour la résistance. Et nous sommes toujours dans la résistance jusqu'à ce que M. Biya libère et tout et laisse entrer le professeur Maurice l'excellence. Merci, Esama. Je veux voir si c'est vrai. Il ne faut pas oublier que la base sera en Suisse. Parce qu'il paraît que Paul Biya doit se retrouver en Suisse à nos jours. Oui. Il paraît donc que la base se rendra en Suisse. Il est parti Suisse. En catimini en Suisse. Je veux ce monsieur. Voilà. Il va récupérer le pays. Je veux savoir. Est-ce que vraiment vous êtes des gars capables de diriger Paul Biya? Merci à tous ceux qui se sont partagés. Hein. Nous, on est dans le direct préliminaire. On est dans le direct préliminaire. Quand le professeur Maurice Kamto va arriver, on va relancer le direct principal que vous allez partager à tout le monde. Merci beaucoup. Prêts à déloger ce dictateur qui dépend. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Nous sommes à Douala, c'est la ville de Maurice Kamto. Nous allons gagner toutes les mairies ici et nous serons toujours dans le plan de résistance. Le plan de résistance va nous amener à prendre toutes les mairies et plus de la moitié, nous prévoyons prendre 200 postes de députés sur les... Nous prévoyons prendre, pardon, 100, au moins 110 députés sur les 180 de l'Assemblée nationale. Nous sommes là pour un plan de résistance qui sera à la fois civil et politique et institutionnel. Important pour nous de rappeler toutes les mairies de ce pays et toutes les postes de députation. Voilà. Envoyez les cœurs, merci. On doit vraiment lancer comme les gars qui sont prêts à remporter les élections en face. Mettez-vous en face de ceux qui lancent. Ah oui. J'ai dit un côté pour les lanceurs et l'autre côté pour le peuple. Le peuple doit être ici. Le peuple. Qu'est-ce qu'on veut? On veut Kamto. Le peuple. On veut Kamto. Le peuple.
celui qui fait peur à celui qui vous fait peur. Arrêtez d'avoir peur quand on fait peur à celui qui vous fait peur. Est-ce qu'on peut lever avec lui? Le Cameroun a longtemps attendu un enfant comme Maurice. Cap-go! Le peuple camerounais aujourd'hui accueille cet enfant comme un sauveur, comme un messie. Dans les églises aujourd'hui, ils sont en train de prier Jésus. Mais nous, on a notre Jésus. Notre Jésus, est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut lever les mains? Oui, le professeur en excellence. Oui, ladies and gentlemen, we are here to wait until Mr. Maurice Kamto will come. I hope that Mr. Mutaga is still there. Yes. Est-ce qu'on peut applaudir pour Mutaga? Mutaga. Il est quelque part, il faut qu'il vienne. Porte-parole du MRC. Nous y sommes, Mr. Mutaga, please. While waiting on Mr. Mutaga, we know that our region of Northwest and Southwest is still in war with that fake war of Colombia, the regime of La République. So, ladies and gentlemen, we have to give an honor to what we are making here to promote the peace. Changement dans la paix avec Maurice Kamto. Change in peace with Maurice Kamto. Here we are hoping that all the war that is happening there. Retrouvez-nous à Bonaberry, nous sommes à Bekoko, on attend le président Maurice Kamto. Qui sera là dans quelques instants. Prenez les motos, prenez les voitures. Retrouvez-nous à Bonaberry, retrouvez-nous à Bonaberry. Bonaberry à Bekoko, retrouvez-nous à Bonaberry à la station Sokami 3. Nous y sommes et on attend le président. Élu Maurice Kamto. Voilà, ça commence à se remplir. Il a rassemblé un grand nombre de personnes. Et ensemble, on va regarder la vidéo où le professeur Maurice Kamto a été accueilli hier. C'est pour montrer à ceux qui... Ah, c'était la magie. Est-ce qu'on peut applaudir pour Bafoussam, s'il vous plaît? Bafoussam a fait fort. Et Bafoussam donc a fait fort. Cette vidéo est sur les réseaux sociaux. L'occasion pour moi de donner la parole à quelques autorités du littoral MRC qui vont prendre la parole certainement pour nous donner le programme de l'accueil du professeur Maurice Kamto ici et qui va conduire jusqu'à ce que le professeur quitte Douala. On veut un responsable du MRC qui va prendre la parole pour nous donner le programme. Ils sont à la station. Va, bien sûr, on peut partir à la station ensemble. Je crois que nous sommes ensemble. Oui, on va, on y va, on y va. La main dans la main. On n'a pas la main. La main dans la main. On va à la station, on va à la station. La main dans la main. On prend sa moto. On se tient la main. La main dans la main. On se tient la main. La main dans la main. On va traverser. La main dans la main. Le plan de résistance, la marche blanche qui se prépare à Douala. Vous aurez des indications précises au moment donné. Le pays qui va se lever pour une grande marche blanche, la marche de la liberté, la marche de la résistance, la marche du non-hold-up. Le non-hold-up, voilà. Dire bonjour à M. Dioko Douala 3e. À la paix qui nous a retrouvés, l'ancien responsable des droits de l'homme, hein. C'est cela du SDF, voilà, qui a retrouvé le MRC et qui est avec nous dans le plan de résistance. On va suivre, on va suivre. C'est pour le programme. Ils vont venir. Non, on va pas à la station, les amis. C'est un endroit pour le business. Eux, ils vont venir. Eux, ils vont venir. On attend ici, on attend ici. On attend ici. Vous, venez, venez, venez. Non, allons sous la sous là. On est dans la station.
combien de personnes 500 gars? Déjà, 500. 500 personnes, les gars. Comment, ça est-ce qu'on peut signer là? 500 Cameroun. Repoussons ensemble. Prenons le vivre ensemble. C'est le signe de la paix. Répondez s'il vous plaît, répondez s'il vous plaît. 500 personnes. Intervenez le monde entier, nous les gars. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Partagez le direct. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? La renaissance du Cameroun. Comme nous l'avons bien sûr demandé, le professeur Maurice Kamto arrive d'un moment à l'autre, et c'est bien sûr de ce côté, n'est-ce pas? Il va falloir donc qu'on se dispose intelligemment. Il va falloir qu'on se dispose de façon qu'il sente que c'est pour lui que nous sommes. Quand quelqu'un vient de là-bas, est-ce que c'est l'enfermant le dos? Prenons donc rapidement le programme de ce que nous allons faire. J'attends le plus haut responsable du MRC, Maya Foni. Appelons-le s'il vous plaît, qui nous donne le programme parce qu'il doit dresser les troupes. Les troupes doivent être dressées rapidement. C'est qui? Le SNT. Le plus haut responsable du MRC littoral, c'est qui en ce moment-ci? Appelons-le, s'il vous plaît, allez l'appeler, même s'il faut trois personnes. Oui, allez, il faut lui expliquer rapidement, parce que parfois la nouvelle génération est en train de déborder la nouvelle génération. Le plan de résistance, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est un plan pacifique qui ne met la violence nulle part dans l'une de ses articulations et qui demande justement à M. Paul Biya de reconnaître sa défaite dans toute vraie démocratie et de laisser la place que le professeur Maurice Kamto mérite effectivement, parce que le 7 octobre, la majorité des Camerounais a choisi le professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'on peut faire le plus pour ce groupe? Le programme d'un haut responsable. Il va arriver. Il va arriver. Ça va, on le cherche depuis. Oui, mais on va le trouver. On va le trouver. On va le trouver. Les amis, soyons patients. Il va arriver. Il va arriver. Est-ce que le chemin d'attente? Si le président Maurice Kamto est un rassembleur, est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Très fort. Lorsqu'il y a un rassembleur, le chef du rassemblement doit être là pour suivre. On demande, nous. On l'a trouvé, on n'a même pas encore trouvé. Une débit ne doit pas carré. Nous avons pensé tout à l'heure à la maman de notre combattant, Maya Foni. Maman Foni, Maya Foni, nous t'écoutons encore une fois de plus. Oui, je disais tout simplement que dimanche après, comme Mathias Eric Orlan-Guinima surnommait le tarocrate, après avoir fini ma séquence tarocratique, je suis rentré à la boutique et on m'a appelé pour m'annoncer que ma maman nous a quittés. Et on a donc, je suis donc descendu à l'ouest, on a fait un programme élevé de cœur le 25 janvier à l'hôpital Abduchef de Bouda et on l'enterre au niveau de la chefferie de Bacham, pas loin du lycée technique, le 26. C'est le programme des obsèques. Le peuple, qui en veut? Le peuple, qui en veut? Le peuple, qui en veut? Le président.
Je rappelle que pour les obsèques de maman Victoire, Maya Foni a sorti des maillots. C'est sur sa page Facebook. Et je demande à tous ceux qui peuvent vraiment entrer en solidarité, ça sera un cas d'école. Parce que les futures mamans de nos combattants qui vont tomber, il va falloir qu'on soit en solidarité. J'espère qu'on a bien compris le message. Il faut qu'on soit en solidarité. Si on est vraiment en solidarité vis-à-vis de la maman de Maya Foni, maman Victoire, est-ce qu'on peut lever la main? Nous allons faire une prière. Enlevant la main, s'il vous plaît. Le pacte de solidarité. Oui, c'est le pacte de solidarité. Nous demandons au Dieu de nos ancêtres, nous demandons au Dieu de tous ceux qui œuvrent pour la vérité et la justice, d'aider notre frère Maya Foni, de lui donner la force et le courage, de lui donner ce qui ressemble à un grand lutteur pour la quitter. Chakazunu, Ruben Ngobe, Ernest Wanté, que nous allons célébrer la mémoire le 13 janvier. Qui approche. Nous demandons à Maya Foni de ne pas se sentir seule. Nous lui prions d'accepter le sort de Dieu. Parce que c'est en acceptant ce sort que Dieu sait également pour cet amour vis-à-vis de son peuple. Dieu également a besoin de sacrifice. Et ce sacrifice est un sacrifice qui va prendre le MRC. Ensemble, nous allons mettre les moyens à la disposition, ce que chacun peut donner. On va ouvrir tout de suite une petite quête. Cette petite quête va symboliquement lui être adressée. Avant de baisser la main, on va remettre ce chapeau à Maya Foni. Il va passer devant chacun. Et ensemble, symboliquement, j'ai dit, nous allons accompagner notre frère avec ce qu'il y a. Oui, Maya Foni a perdu sa maman, mais il est toujours au combat. L'enterrement aura lieu le week-end du 25 et 26 mai. Maya Foni est là parce que le combat, c'est pour le peuple camerounais. Voilà. Issama qui fait son geste de solidarité. Parce que nous sommes à la tontine. À la tontine, quand quelqu'un est en peine, oui, à la tontine, quand nous sommes en peine, chacun doit mettre la main à la pâte. Voilà. C'est mon sang. Il va nous donner tout à l'heure la déclinaison. La tontine, elle est faite pour nous, parce que c'est la tontine. C'est la tontine. Voilà, chacun donne un geste de solidarité. Voilà. Un Maya Foni qui a perdu sa maman. Voilà la tontine, voilà. C'est ça la tontine. C'est ça la tontine, il a perdu sa maman et tous les tontines contribuent. C'est ça le MRC, voilà. Le pacte de solidarité. Pour aider notre camarade Maya Foni. Voilà. C'est ça la tontine. C'est le pacte de solidarité. Voilà. C'est inédit, hein. C'est inédit. C'est en direct dans le monde entier. Voilà. Et Sama qui fait sa participation. Et il fait la monnaie, hein. Et ça m'a fait la monnaie, il donne sa part de contribution. Oui, c'est la monnaie, voilà. On fait la tontine, c'est le bain de l'amitié. Voilà. C'est mon corps. Voilà la contribution du SN aussi au deuil de monsieur. Voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maya Foni va donc accepter de mettre à contribution ce que le MRC spontanément. Maya Foni, tu peux envoyer la main, tu prends ce qui est réservé à notre maman. Ce qui est réservé à notre maman ne pourra pas. Laissez indifférent, mais qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci, merci. Merci à tous les continents. Merci. C'est la continent. Je vais passer la parole à monsieur le régional. Rapidement, pour qu'il nous donne le programme.
Voilà le SN qui vient d'arriver, qui va donner le programme de l'arrivée de Maurice Kamto. Voilà. Changeons l'avenir dans la paix. Allô? Oui. Allô? Allô? I'm in a meeting, please. 1 minute. Call me 10 minutes after. Allô? On l'a déjà eu la victoire, on l'a eu. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour attendre notre président national, président élu, président de la République du Cameroun, voilà. Il est dans peut-être, je vais dire, 25 minutes pour arriver ici. Et le programme sera le suivant. Après que je laisse le micro, vraiment, vous alignez là-bas en route. Les voitures doivent s'aligner. Quand ils viennent, on va les accueillir. On les salue, les gens. Ils saluent les membres du bureau régional. On monte dans la voiture, tout le monde au siège du parti. Le président, on vient de m'appeler qu'il est quelque part en Banga. Donc, dans les 25 minutes, on va accueillir le président national du MSC, le professeur Maurice Kamto. MSC pour votre disponibilité, pour votre présence. Que les camarades du littoral 1 soient venus nous prêter main forte. Parce que je voulais vous rappeler que nous sommes ici dans le territoire du littoral 2. Ah bon? Donc je suis très content que les camarades du littoral 1 soient venus en grand nombre. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Qu'ils soient venus nous prêter main forte pour attendre notre champion. Je crois que si nous serons. Oui, parce qu'en réalité, ici, nous sommes dans le Mungo, ouais, déjà. On a laissé le cours d'eau de Sima, le Mungo du Vouri. Et là, nous sommes dans le Mungo. MRC. Changeons d'avis dans la paix. MRC. MRC. Victoire. Merci. L'occasion maintenant de prendre la discipline du parti. Vous avez bien sûr suivi, monsieur le secrétaire national, qui a demandé qu'on se mette le long de la route, de part et d'autre. Et non, pas maintenant, pas maintenant. Je dis bien, il a demandé qu'on va le faire. L'occasion peut-être pour moi de donner la parole à 3 personnes qui ont été marquées dans un témoignage qui était très édifiant pour le MRC, pour consolider les liens de tous les membres du MRC, pour donner la force. Je vais d'abord commencer par donner la parole à Maya Foni qui va nous dire l'état de son cœur après toute la collecte que tu viens d'avoir. Vraiment, je viens de confirmer et je vais dire à ceux qui ont l'habitude de traiter le MRC du parti Tontina, nous acceptons ce nom. Nous sommes des Tontina. Nous sommes des Tontina. On a pu, j'ai gagné un tontine de 16 000 en moins d'une minute. Est-ce qu'on va applaudir pour la 16 000? Donc, ce qu'il y avait seulement. Donc, pour le moment, c'est même pas encore fini. Non. Donc, là, c'est pour dire que
si vous aimez la tontine, si vous voulez gagner la tontine comme moi, et nous MRC. Voilà. Sur MRC, qu'on peut faire la tontine. De l'autre côté, on va vous charger l'huile de sardine dans le cerveau. Ici, là, au MRC, on trouve la tontine. Ouais. Donc, bon, le changement, c'est le changement dans la paix. Maya Fonny finit le témoignage. Je rappelle que sur les directs Facebook, j'en demande encore, s'il vous plaît, il n'y a pas assez de directs Facebook. Lancez les directs. Parce qu'on se rend compte que le professeur Maurice Tamto, oui, lancez sans parler. Parce que je vais vous dire la vérité. Ah bon, vous savez si plusieurs avaient lancé. Mais il y a rotation, plusieurs images comme ce que nous avons eu là. Mais oui. Vous voyez, c'est une c'était petite vidéo qui a été bien sûr. Oui, je voulais donner les instructions à ceux qui veulent lancer les directs. Si vous voulez lancer le direct, mettez votre téléphone en mode rotation. Quand vous mettez votre téléphone en mode rotation, vous retournez votre téléphone, vous entrez dans Facebook avant de lancer votre direct. Quand vous voulez lancer le direct, ne laissez pas le téléphone tout droit. Vous lancez le direct avant en mode votre paysage. Tourné, en mode paysage. Là, une chaîne de télévision pourra utiliser votre vidéo. Mais quand vous laissez tout. Explique un peu avec ce téléphone par oui. Voici un téléphone. Oui. Pour ceux de la diaspora, pour ceux qui ont l'habitude de faire les longues vidéos, quand vous voulez lancer un direct. Attends, je lance immédiatement. Quand vous voulez lancer un direct, vous allez d'abord dans le menu. Vous entrez dans le menu. Vous déroulez. Vous entrez dans mode rotation. Voici. Voilà. Rotation automatique. Mode rotation automatique. Quand la rotation est automatique, vous revenez. Voilà. Quand vous revenez, vous entrez dans Facebook. Vous entrez dans Facebook. Et maintenant, vous lancez le direct. Vous pouvez tourner, il n'y a pas de problème. Oui, vous lancez dans, vous entrez dans Facebook, je ne sais pas, oui. Vous entrez dans Facebook, vous retournez votre téléphone comme et ça. Vous lancez le direct. Quand votre téléphone est là comme ça, Facebook s'affiche de cette façon. Là, vous entrez dans le menu. Vous entrez dans le menu, vous pouvez lancer n'importe quel direct. Oui. Mais que le téléphone garde cette position. Ça va rester, le téléphone sera tourné. Oui. Alors, je rappelle déjà que nous sommes en train de pratiquer quelque chose voilà. Que beaucoup n'ont pas souvent l'habitude de faire. C'est important d'apprendre. C'est important. Évidemment, on apprend tous les jours. Avec le professeur Maurice Kamto, on apprend tous les jours. Oui, parce que les médias. Oui. Et tourner de ce sens, vous balancez votre direct sort comme à la télévision. Et une chaîne de télévision, n'importe quelle chaîne de télévision, pourra utiliser votre vidéo pour faire le journal ou bien exploiter pour autre chose. Merci. Donc, on conseille. À la tontine, on apprend tous les jours. Hein? À la tontine, on apprend tous les jours. Vous savez, c'est quand on fait la tontine qu'on essaie d'édifier certains. Voilà, donc, vous tournez votre téléphone, vous gagnez à l'expérience. Ceci dit, je vais donner quelques dernières informations avec le très grand conseiller de notre président élu, Christian Penda Ikoga. C'était grave du côté de Bafoussa. Et quand c'est grave là-bas, à Douala, je rappelle que plusieurs personnes vont voir des directs qui vont être lancés. Puisqu'on parle de Banga, on parle de la destination, enfin de Lyon, surtout le président. C'est pas tellement, c'est... Dans 20 minutes, qui c'est qui sera là. Pendant les 20 minutes, on peut bien comprendre ce qu'il y a lieu de faire. Je prends d'abord tout de suite une personne, je vais prendre. Oui, on va descendre. Question pour ne pas se lever au soleil. Le soleil va fatiguer les militants. C'est pas pour rien que j'ai parlé de ce mec ici en dessous. Est-ce qu'on peut applaudir pour le directeur de la société, Soukami, s'il vous plaît? C'est lui qui a eu l'idée de faire ça. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir? Nous sommes sensibles à tout. Applaudissons pour Dieu qui a fait qu'il n'y ait pas la pluie. Est-ce qu'on peut applaudir pour Dieu? Alors, cette très belle météo nous permet effectivement d'entrer dans le vif du sujet. Je veux savoir quels sont ceux qui ont les difficultés pour enregistrer certains nouveaux membres du MRC. Parce que depuis la campagne présidentielle, le MRC a le vent en poupe. Ceux qui ont des problèmes et qui veulent bien sûr... C'est une pression énorme, parce qu'il y a des milliers et des milliers de Camerounais qui veulent retrouver le MRC. Quelle que soit la ville, Dans mon secteur, nous sommes ici à Bonabé. Pourquoi est-ce que vous parlez en français alors que vous pouvez parler en anglais?
Nous sommes bilingues. Bon, allez-y, vous êtes. Okay. Allez-y. Donc, je disais que le problème que les gens rencontrent dans les forums, chacun oui. dit je voudrais adhérer au MRC, comment obtenir la carte? Les gens disent toujours tu es dans quel quartier, cherche l'unité de ton quartier. Parfois, ils sont dans un quartier, il n'y a pas encore d'unité. Et ce que nous pensions, c'était qu'on leur dise que allez alors au siège départemental, vous enregistrez, on va maintenant se charger de vous situer dans votre quartier et vous dire plus tard que allez alors à tel endroit. Mais en attendant, vous pouvez venir au siège. On souhaitait qu'on fasse ça. Également, il y a un article là dans le parti, parce que les gens s'inscrivent et payent leurs 1000 francs. Et croient qu'ils ne sont pas militants du MRC, pensent que c'est quand la carte viendra. Alors qu'il y a un article qui dit quand même quelque part que... Il va parler en anglais. Après, il parlera en anglais. Chacun peut se considérer comme militant et participer à toutes les activités du parti. Est-ce qu'on ne peut pas dire à la hiérarchie de rappeler donc aux gens que si vous avez payé vos 1000 francs déjà jusqu'à prendre votre reçu, participez aux activités du parti. Vous êtes déjà membre. Militant du parti. Ne dites plus que c'est quand votre cadre vient oui, que vrai. Vous encadrez. Est-ce qu'on a suivi ce qu'il a dit? Voilà ce que nous disons. Est-ce qu'on a suivi ce qu'il a dit? In English, in English. Let us have what I want to say. I want to reduce all those who have a lot of effort to do when they want to register inside CML. CRM is a political party where a lot of people want oui, to register right now. Vous pouvez également chercher les militants du MRC sur Facebook. Ils sont très nombreux, ils sont très actifs. Vous pouvez par exemple chercher dans le moteur de recherche Astouchou sur Facebook qui peut vous orienter dans n'importe quel point d'inscription dans le Cameroun. Vous pouvez également chercher Darlene Gueveau. Oui, Darlene Gueveau. C'est un militant très dynamique qui peut aussi orienter les nouveaux qui n'arrivent pas à s'inscrire, à trouver leur unité au MRC. Vous pouvez chercher également Christian Marcel. Ils sont nombreux. Vous pouvez, donc Astouchou, Darlene Gueveau, Christian Marcel. Vous pouvez également chercher Guy Laurent Kouam, oui, aussi lui, il peut vous orienter. Vous pouvez, ils sont nombreux. Écrivez, cherchez Michel Doki aussi, elle peut vous orienter. Doit la première, doit la deux, doit la trois, doit la quatre, doit la cinq. Yaoundé, Garoua, Bélel, tous les villages de l'extrême nord, aux profondeurs du sud. Cherchez n'importe quel militant. Sur WhatsApp, nous avons environ 200 groupes qui encouragent les gens à s'inscrire. Cherchez-les. Vous rappelez. Elle a eu énormément de questions. Le code électoral, nous n'irons pas à ces élections sans qu'il n'y ait une modification du code électoral. Écoutez, la polémique qu'il y a sur les réseaux sociaux est une polémique vaine. Le professeur Maurice Kamto vous a dit avant la fin du mois de février, vous aurez une réponse sur la modification du code électoral. Ce sera fait. Nous allons aller dans les profondeurs de ce pays comme à la présidentielle. Encourager les jeunes, encourager les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Nous irons aux élections avec un code électoral modifié. Et nous modifierons ce code électoral avec la force du changement. La force du changement, c'est évidemment le peuple camerounais. Oui, à nos mangas, à nos parfaits mangas, cherchez-le sur Facebook. Il vous dirigera vers n'importe quel groupe, n'importe quelle unité, n'importe quelle fédération du MRC. Les problèmes que nous rencontrons. En attendant de passer la parole à ces personnes, j'aimerais qu'on salue par des applaudissements un grand directeur marketing qui m'a recruté dans une société Yumi, M. Serge Dongo. Est-ce qu'on va applaudir pour ce très grand patron? À l'époque, voilà, à l'époque il était là-bas. Mais il confirme quand même, non? Voilà, il confirme quand même. Merci André Blaise. Voilà, il m'avait pris dans la communication de Yumi. À l'époque, c'était encore un Suisse qui avait ça. Donc, monsieur Serge... Merci. Partagez le direct. Le professeur Maurice Kamtolet dans 15 minutes. Partagez. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Un haut cadre, s'il vous plaît. Je précise, un haut cadre. Monsieur Serge. Sans publicité, bien sûr. Bien sûr. Je suis ici comme militant de la commune de Saint-Cadre, précisément l'unité de Makepe Conteneur Rouge. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Et derrière qui vous est entré? Il faut dire que derrière plusieurs personnes, parce que c'est passé par
Mathieu Youbi, Okala et Boudé. Est-ce qu'on peut appeler Palo, oui, Mathieu Youmbi aussi sur Facebook. Au Calais et Bonnet aussi, cherchez-les. Ils peuvent vous orienter pour rejoindre le MRC. Sans oublier de suivre mon communal, la Pine d'Ayo, Jean-Robert. Est-ce qu'on peut applaudir pour monsieur Jean-Robert d'Ayo? La Pine et tous ceux qui ont contribué vraiment à ce que je rejoigne le MRC. Ouais, les militants du MRC ils sont comme ça, toujours connectés. Hein. Cherchez-les sur Internet, sur Facebook, ils vous orientent. Ils sont toujours tous connectés. Le travail chez nous, c'est 24 heures. Oui, oui, bien sûr, les deux à la fois. On est sur le terrain et sur les claviers, 24 heures sur 24. On travaille pour la Nouvelle République, pour la Renaissance. Voilà. Il y a eu un glissement de M. Biya, mais très bientôt, il va laisser le pouvoir de M. Maurice Kamto, son Excellence, le président élu. Un jeune là, c'est Fossi Zoujou qui vient d'être victime d'un accident sur la route de Constaba tout de suite là. Il est en soins intensifs. Fossi Zoujou, c'est un activiste, n'est-ce pas, du changement. C'est un activiste de la société civile. Le sénateur Fossi Zoujou, généralement, il se bat pour le changement. Et là, il vient d'être victime là en Constaba, on va transférer. Il lance un soutien total pour la carte nationale d'identité. En ce moment, pour avoir la carte nationale d'identité au Cameroun, c'est quelque chose de presque impossible. Et pour que, aux prochaines échéances, on ait plus de personnes qui sont inscrites à la carte qui s'inscrivent massivement dans les rangs du MRC, nous pensons qu'il faut que les cartes nationales d'identité puissent être faites à chaque Camerounais. C'est qui l'a dit là? Voilà, là vous avez aussi là comme ça une pétition que lance Maître Djehou, il me semble. Maître Djehou, pour que les Camerounais aient des facilités pour avoir leur carte nationale d'identité. Ça, c'est ce qu'on appelle de la théorie à la pratique. S'il vous plaît, que quelqu'un cherche un papier format A4 avec un stylo, on va prendre comme on fait souvent dans les conférences, où les gens entrent et puis on prend numéro de téléphone, nom, quartier. Merci à l'Allemagne, merci à la Belgique, merci à la Suisse, merci à l'Italie. Partagez le direct, on est dimanche, partagez le direct. Continuons, monsieur Serge. Donc, pour poursuivre. Nous avons pris le pouvoir. Il faut, après qu'on ait cette annuaire-là, il faut que tous ceux qui sont militants de l'unité, qu'il y ait une véritable formation politique des militants. Je l'ai remarqué dans beaucoup d'unités, beaucoup ne connaissent même pas les statuts ni l'idéologie du parti. Ils suivent simplement un homme, c'est pas mauvais, mais ils vont gagner à véritablement enseigner au sein des unités l'idéologie du parti et les statuts. Alors, monsieur Serge, vous êtes en train de me faire penser à Maître Michel Dorki qui, pour les élections municipales, a pensé à faire des dépliants. Vous pensez donc qu'il va falloir que les dirigeants des unités aient déjà quelques dépliants, mais maintenant les fonds vont venir comment? Est-ce que ça va toujours venir comme on a fait pour le coup de cœur de notre frère exactement? Vous abordez, c'est comme si vous lisez dans mes pensées, la force d'un vous êtes mon directeur, n'oubliez pas, parce que c'est vous qui m'avez formé dans le marketing. Est-ce qu'on peut encore plaudir pour ça, s'il vous plaît? Le street marketing. La force d'un parti. Un parti fort, c'est d'abord les militants et le financement. Donc, une fois que les uns et les autres sont enregistrés dans les unités, ils gagneraient à donner chaque mois leur contribution statutaire. Bon, ça se définit, ça peut varier d'une unité à l'autre, mais il faudrait qu'au moins... Merci à la Grande-Bretagne. Merci à la Grande-Bretagne. Donnée, de façon à ce que... Merci à la Belgique. L'unité ait les fonds pour fonctionner, que l'unité participe à la vie de la commune et que la commune participe à la vie du département, ainsi de suite jusqu'à la région. Ils sont nombreux, hein, les jeunes qui ont été interpellés par la gendarmerie, par la police, dans le cadre du plan national de résistance. Le plan national de résistance qui a été mis sur pied par le professeur Maurice Kamto, le MRC. Ils sont toujours là. Ils ont dit, nous n'avons n'arrêterons pas jusqu'à... Le parti n'a pas de personnel permanent. Quelqu'un comme André Blaise Nsama, qui fait un gros travail d'animation, dans certains partis, dans d'autres environnements, pourrait avoir un salaire fixe. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Qui lui permet de se consacrer à 100% au parti. Mais vous n'applaudissez pas, vous ne voulez pas qu'on... Merci au Canada, merci au Canada. Oui. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Merci. C'est la base du bénévolat. Ça veut dire que le jour où son travail qui lui donne à manger, l'appelle à autre chose, il ne viendra pas. Le jour où son téléphone va tomber en panne, il ne viendra pas. Voilà, ça fait déjà 500. Attendez, je vais...
plus de 550 personnes qui regardent. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? C'est plus que étudiants. Merci à vous. Merci. Merci, GLK. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui arrivent au Canada ou Equinox. Mais la réalité, c'est que les Camerounais du monde entier n'ont plus confiance à certaines chaînes de télévision. On se concentre exclusivement à suivre ce qui va faire avancer le Cameroun. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous ceux qui sont en train de nous regarder là? Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut applaudir pour tous ceux qui vont partager? Parce qu'il ne faut pas seulement regarder, il faut partager. Merci à Bafoussam, merci à Bafoussam. Partagez le direct, partagez le direct. Il faut. Et ceux-là qui partagent, ils peuvent venir nous retrouver où? Ils peuvent venir nous retrouver où? À Bonaberry, Bécoco. Bécoco à Bonaberry, sous Camille. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la MSC? Merci à Dubaï. C'est chaud avec des grands experts. Je vous rappelle que c'est un patron et c'est un très grand consultant ici. Et nous l'écoutions comme ça avec délectation. Monsieur Serge, je vais lire un petit document que je viens de recevoir. Pendant que Madame Tagne. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour elle, s'il vous plaît. Madame Tagne, filmez ce qu'elle est en train de faire. Filmez ce qu'elle est en train de faire, s'il vous plaît. Madame Tagne, bonjour. Merci. Avant de passer la parole à M. Serge, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de relever déjà de prendre les noms des militants engagés, la fiche des tontinats. Ah, vous parlez de ceux qui sont venus ici à Sokamin Bekoko. Et qui veulent retrouver le MRC, les nouveaux militants qui veulent retrouver le MRC. Je suis en train de retrouver le MRC pour l'instant. Est-ce qu'on peut voir cette liste? Pardon, il faut qu'on filme cette liste. Voilà, on voit les noms qui sont dans là. C'est une manière de monter la manière de travailler hein, du MRC. Ça se passe en tout. Parce qu'il y a des gens qui, dans les partis politiques, vont commencer à dire que ici on est parce que c'est mon village. Est-ce que nous sommes ici parce que c'est le village? Non! Est-ce que tous ceux qui sont ici, ce sont les gens qui viennent prendre le combat? Non! Ce sont ceux qui viennent prendre le service? Non! Il y a des gens ici qui viennent prendre la service? Non! Il est très important dans un parti d'avoir ce qu'on appelle un personnel permanent. C'est très important pour moi. Vous parliez tout à l'heure des inscriptions au parti, je m'explique. Si quelqu'un veut rejoindre le MRC, merci aux États-Unis qui sont connectés. Nous par bénévolat. Ça veut dire, quelqu'un dit sur Facebook, j'habite Makepe, je veux rejoindre le MRC. Quelqu'un prend l'initiative de façon bénévole de le contacter. Ça devrait évoluer, c'est déjà bien. Monsieur Serge, est-ce que vous voulez peut-être dire, comme j'ai vu certaines formations politiques, introduire par exemple une demande à ELECAM pour enregistrer les futurs membres du MRC à l'intérieur du fichier électoral, parce qu'il y a une différence entre être membre du MRC et avoir sa carte électorale. Je vais te couper, c'est deux problématiques différentes. Non, on ne peut pas compter sur ELECAM pour avoir les militants du MRC. Non, pas dans ça. Est-ce que ça peut servir à enrôler les nouveaux? Merci à la France. Connectez-vous, partagez le direct. Hein. Au niveau de nos propres militants, il faudrait qu'on mette en place ce que j'ai appelé le personnel permanent. Je m'explique. Par exemple, au niveau de la fédération, voilà. Merci au quartier Yassa qui est connecté. Il faudrait qu'au niveau du siège, il y ait quelqu'un qui soit en permanence là-bas. De façon à ce que si quelqu'un vous dit, je veux adhérer au MRC à Douala 5, à défaut de s'inscrire en ligne, vous pouvez lui dire, allez au siège, ça sera ouvert. Est-ce qu'il y a un cadre de Douala 5e ici? Ils sont nombreux. Est-ce qu'il y a un cadre de Douala 5e ici? Parce que, vous savez, on ne peut pas entrer dans une équipe qui va perdre. Hein. Moi, je mets tic-tac pour qu'on réponde et qu'on ne perde pas l'expérience. Non, Douala Premier. Douala Premier, par exemple. Est-ce qu'il y a un responsable de Douala Premier ici? Au niveau du siège à Douala Premier, il faut qu'il y ait quelqu'un de permanent qui va enregistrer les gens au fur et à mesure. Cette personne a besoin d'être payée. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure la structuration du parti qui permet de financer. Merci au Gabon qui est connecté. Merci au Gabon. Ceci étant, une fois qu'on a déjà ce personnel permanent, il faudrait donc effectivement dans une deuxième phase. Du courage à Bafoussam qui a des unités à installer aujourd'hui. Du courage à Bafoussam. Le recrutement des membres et d'accomplissement de ses objectifs. L'accomplissement des objectifs, tout à l'heure, ça m'a parlé de l'enregistrement sur les listes électorales.
Beaucoup de choses sont déjà faites. Il y a beaucoup d'initiatives qu'on ne va pas dérouler. Merci à la Suisse qui est connectée. Un petit instant, monsieur Serge, j'aimerais qu'on applaudisse très fort pour monsieur Moutaga. Oui. Le porte-parole du MRC. Let us welcome monsieur Moutaga, please. Thank you so much, André Blaise et Sama. Ladies and gentlemen, merci à la Suède qui est connectée. Solemnly informed you that the national president of the Cameroon Renaissance Movement, president elect by voting of popular polls that were cast on the 7th of October 2018, will be here in the nation's economic capital, Douala. His Excellency, Professor Maurice Kamto, after having done a tour in the western region of Cameroon yesterday, Saturday, that's the 11th of January 2019, will be here in Douala. And as you saw it happen in the western region, the people of the western region pledged their commitment to ensure that the process of saying no to electoral roll-up is effectively done. He will be here today in the nation's economic capital. That is exactly why you find so many people have come here in Bonaberry. They are around Sokamit. They are waiting for the national president of the Cameroon Renaissance Movement, president of the Republic of Cameroon, His Excellency Professor Maurice Kamto. Qui vont. Le président Maurice Kamto partage le direct. Le président Maurice Kamto qui est. Il paraît que les choses vont. Allez, les choses s'accélèrent ici. Les choses s'accélèrent, je vais. Un peu de l'ordre, les amis. Normalement, je devrais trouver une moto, hein.
aider à suivre en direct. Non, attendez, attendez. Maurice Camteau, nous sommes à la frontière de Douala et du
quartier du Mungo et nous entrons dans la ville de Douala. Nous entrons dans la ville de Douala et les populations qui sont contentes d'accueillir le professeur Maurice Kamto. Voilà. Professeur Maurice Kamto et M. Benda et Koka qui font leur entrée dans la ville de Douala. Avec un cortège impressionnant qui se dirige comme ça rapidement vers le siège régional du MRC ici à Douala. Nous serons à Deido dans quelques instants. Retrouvez-nous pour accueillir le professeur Maurice Kamto. C'est loin. Voilà, c'est comme ça que tu dois. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, qui entre dans la ville de Douala. Le plan de résistance nationale continue. Ouais, mon frère, mon ami.
sont partis, bon. Comme les gars l'ont démenti, ils vont filer. Ce peuple a soif de changement. Ce peuple a soif. Ils vont partir, ils ont donné une autorisation de partir, mais là ils vont partir. Ils vont partir, le président n'a pas aimé ça, ils vont partir. Oui, par exemple Maurice Camteau qui ne peut pas. Parce qu'il va à une séance de travail avec les populations, avec les responsables ici. Et la population qui l'empêche d'avancer. Donc je crois que le cortège va prendre une autre dimension parce que le professeur Maurice Camteau est là. Avancez, avancez, avancez. Avancez, avancez, avancez.
Vas-y.